Causeries religieuses présidées par Sa Majesté le Roi Hassan II reprennent ce soir. Près de 500 000 Tchétchènes votent depuis ce matin pour désigner le successeur de Doudaïev et leur représentant au Parlement. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Reprise aujourd'hui du cycle des causeries religieuses organisées à l'occasion du mois sacré de Ramadan sous la présidence de Sa Majesté le Roi Hassan II Amir al-Mu'minin. La causerie de ce soir sera animée par le professeur Hassan Ben Siddiq, membre du conseil provincial de la province de Tanger, sous le thème « Le devoir d'obéir au messager de Dieu et de suivre la sunna ». Ce thème sera traité à la lumière du verset coranique dit « Suivez-moi ». Si vous aimez Dieu, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est celui qui pardonne. Il est miséricordieux. Dieu dit obéissez à Dieu et aux prophètes. Mais si vous vous détournez, sachez que Dieu n'aime pas les incrédules. En Russie, l'ultime secret de la victoire des Tchétchènes sur l'armée russe semble une nouvelle fois avoir produit un miracle. Sauf provocation de dernière minute, les premières élections d'après-guerre se déroulent bien dans la petite république caucasienne, compromis par ses dirigeants. Les élections auront à choisir, ou plutôt les électeurs auront à choisir, lors de ces scrutins présidentiels et législatifs, entre les tenants d'un indépendantisme radical, emmené par Chamil Bassaïev, perçu comme un héros national, et les modérés représentés par Aslan Maskhadov, le signataire des accords de paix avec les Russes.